Bonjour chers tous, c'est Christian Gabi, bienvenue dans ma chaîne de tutoriel. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un truc de dingue. C'est un truc très waouh et je sais que vous vous attendez tous à cela. Je vais vous montrer durant ce tutoriel comment vous allez faire pour vous débarrasser de personnes qui entrent dans vos galeries, qui prennent du plaisir à prendre des photos dans votre galerie sans votre permission. Donc, le but de ce tutoriel plutôt, ce n'est pas que vous cachiez des photos compromettantes dans votre téléphone, mais c'est plutôt juste pour vous aider à garder un peu in safe mode votre galerie ou soit les photos qui se trouvent dans votre téléphone en utilisant votre téléphone Android. Voilà, c'est très simple. Vous allez utiliser une application au lieu d'utiliser les applications communes qui sont sur Google Play Store ou sur les APK Market. Je vais vous donner une application qui ne va même pas susciter un soupçon quand quelqu'un va toucher votre téléphone. Ça sera pas genre Photo Hide, Vote Hide, My Secret Folder ou something like this. Non, ça sera un nom tout commun que personne ne pourra même s'imaginer que c'est une application pour vous aider à cacher vos photos ou soit à mettre vos photos dans un lieu sûr. Le nom de l'application, c'est Audio Player. Audio Player, comme son nom l'indique, c'est un lecteur audio. Initialement, ça a été conçu pour jouer de la musique. Mais ici, vous allez voir comment utiliser Audio Player pour pouvoir cacher vos photos. Dans la description de la vidéo, vous allez voir, je vous donne les liens où vous pourrez télécharger Audio Player. Et ici, je vais vous montrer comment installer. Ici, moi, j'ai déjà téléchargé. Je vais aller dans mes fichiers. Je vais entrer dans mes fichiers là. Je cherche là où j'ai mis mon APK. Mon APK ici, c'est ça. C'est Audio Manager Hide Files. Je vais installer le projet d'application. Je vais faire installer. J'attends que l'installation puisse finir. J'attends. Programme d'installation du kit. Voilà. J'attends jusqu'à la fin. Voilà. Je vais faire ouvrir. Voilà. Voilà comment mon application se présente. C'est Audio Manager. Donc, vous allez voir ici, il y a du volume. Vous pouvez mettre du volume. Lorsque quelqu'un voit, il verra qu'il y a. C'est rien de grave, c'est juste pour. C'est comme un equalizer, alors que c'est une application pour garder un lien sur vos photos. Voilà, pour entrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans Audio Manager, là où c'est écrit Audio Manager. Vous appuyez, vous faites un long press, vous appuyez comme ça. Voilà, ça vous demande de faire entrer le mot de passe. Moi, j'avais déjà fait entrer mon mot de passe. Sinon, à la première installation, ça va vous demander de faire entrer un mot de passe. Le mot de passe ici, c'est le 29 janvier 2016. Voilà. Lorsque j'entre là, j'ai les différents menus. Je peux garder mes pictures, mes photos, mes vidéos, ma musique. Je peux même garder certaines applications. Je peux bloquer les applications de File Manager. J'ai payé des messages, des swaps, des notes, Help Encryption, Browser Encryption ici. C'est peut-être pour sécuriser, appliquer un encryptage sur mes données en fait. Voilà, je vais dans Picture. Mais avant d'aller dans Picture, je vais aller dans Galerie pour montrer mes photos. Je vais dans Galerie. Voilà, j'entre là. Voilà, j'ai 3 photos ici. Il y a ici une photo. J'ai également une photo là. À part ça, j'ai encore d'autres photos ici. Voilà. Je prends là cette photo. J'ai également cette photo. Au total, j'ai 5 photos. Donc, je vais essayer de cacher quelques photos sans pour autant les supprimer de mon téléphone. Je vais aller dans mon projet, dans mon application plutôt. Je vais chercher Audio Manager. Je vais là. Je clique fort. Je fais entrer les mots de passe 29-01-2000. 16. Et puis là, j'entre, je vais dans Picture, New Album, je vais cliquer ici, là où il y a un plus. Je clique un plus ici, je choisis Galerie. Voilà, j'ai mes 5 photos qui sont là. Je vais cacher les 3 premières photos. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Donc, je prends ça. Bon, je peux même prendre 4 photos, je prends également l'autre photo ici. Et puis après cela, je vais faire Hide Selected File, cacher des fichiers sélectionnés. J'ai fait Hide Selected File. Dans quel folder voulez-vous le mettre? Dans New Album. J'ai fait OK. Voilà, je peux me voir mes photos qui sont là. Voilà,
Voilà, je peux voir les quatre photos que j'ai cachées. Maintenant, pour m'en rendre compte, je vais rentrer dans ma galerie pour voir si mes images ont bel et bien disparu. Voilà, lorsque j'entre dans ma galerie, je ne vois plus qu'une seule photo. Donc, mes images ont été sauvegardées puis gardées en lien sûr. Maintenant, si jamais je voudrais restituer mes photos, je vais aller dans Audio File Manager. C'est Audio Manager, j'appuie ici, je fais entrer les mots de passe. Et puis, et là, je fais Pictures, j'entre là. Je fais par exemple, je vais restituer les deux photos ici, Unhide. Unhide pour dire, je ne veux plus que cacher l'image. Je fais OK. Je les remets par exemple dans New Album, Unhide. Je peux prendre également cette photo ici. J'appuie fort. Je fais Unhide. Dans le même dossier, je fais Unhide. Okay. Et c'est bon, je vais dans Galerie. Et puis, vous allez voir que voilà, New Album, c'est ça. Et puis, les deux photos que j'ai restituées sont là. Elle est bien là. Voilà. Et voilà. Donc, voilà un peu notre tutoriel d'aujourd'hui. Prochainement, je vais vous montrer comment cacher vos appels, cacher vos messages. Mais tout ça, non pas pour nuire, juste pour sécuriser vos données. Merci. À très bientôt.